de thèmes qui nous ont abordés. Donc, nous pouvons passer un petit vidéo, comme d'habitude, justement pour s'en anticiper de corps, pour dégourdir un petit peu la jambe et mettre dans une picture bien. Mais souvent, deux fois, l'écriture pas permet de nous comprendre un concept autant qu'une vidéo, une image fait vivre. Donc, il est bon de temps en temps nous jouer entre les PowerPoint et puis les vidéos. Donc, vous prenez une vidéo à mi-session, donc pour qu'il nous permette de comprendre un peu mieux le concept qu'il a envie de développer dans sa session-là. Alors, avant de venir au prochain slide, avant d'entendre sa cinquième session-là, vous pensez de finir faire quatre sessions. Donc, vous pensez qu'il est très important pour qu'il nous entame sa cinquième session-là dans les meilleures conditions, qui retrace un petit peu le parcours qu'il nous fait, qui va un concept, qui va un thème, qui nous développe très brièvement, sommairement, pour nous gagner l'idée, pour qu'il nous capable, continuer la formation et entame sa cinquième session-là avec beaucoup plus de confiance. Donc, un récap très rapidement. Donc, une cause dans ma session précédente pour l'entrepreneurship que nous définissons. Une cause, l'élément de, par exemple, le risque, l'élément de finance, l'élément de reward en termes monétaires, satisfaction, etc. Une cause également qui fait entrepreneurship, qui fait autant l'emphase l'entrepreneurship et à Maurice et dans le monde. Une cause, par exemple, personal and national level, pourquoi entrepreneurship? Et bien sûr, une cause l'entrepreneur, on va dire la personne derrière l'entreprise, l'homme ou la femme derrière l'entreprise, une cause caractéristique, une cause factors of success and failures. Là, nous lance nous l'entreprise. Ensuite, nous entamons une autre session, l'entrepreneurial process, qui est dans cinq étapes. Une cause, le business idea, qui motive déjà au départ, c'est l'élément le plus important que nous avons consacré plus nous le temps pour nous capables d'entamer dans sa voie entrepreneuriale. Donc, business idea generation, une même cause, l'opportunity recognition, donc nous capables de découvrir une opportunité, de te dire, nous appelons ça windows of opportunity ou bien fenêtre d'opportunité. Donc, une opportunité, elle est présente devant nous. Bien sûr, nous capables de saisir au bon moment. Nous continuons avec une feasibility analysis pour la viabilité, la feasibility and viability of the project. Ensuite, la troisième session, nous avons l'adéquation du projet. Moi, j'ai un collègue qui a une cause l'adéquation du projet. L'analyse de concurrence, le product life cycle, donc différentes étapes qui nous ont passé avant de créer notre entreprise. Là, nous créons notre entreprise et puis nous produit donc introduction jusqu'à déclin. Nous causons également le product differentiation avec segmentation. Et puis, la dernière session, nous causons the internal external environment, donc l'environnement interne qui est sous nos contrôles et l'environnement externe, bien sûr, qui n'est pas de nos contrôles. Nous causons également le SWOT analysis, donc nous causons strength, weakness, opportunity and threat. Donc, strength and weakness, bien sûr, est sous nos contrôles. Nous n'en contrôlons rien, mais opportunity and threat, il dépend de l'environnement externe qui nous paye dans aucun contrôle. Et puis, nous également cause l'étude de concurrence qui est une étude très, très importante pour nous connaître, pour nous situer nous là sur le marché. Que nos concurrents étaient, qui sont de points forts, qui sont de points faibles, pour qu'ils nous capables de capitaliser l'autre bande de points faibles, faire vivre nos bandes de points forts, pour qu'ils nous capables donc démarrer dans les meilleures conditions. Alors, on nous démarre sa cinquième session-là par Get Started. Charte là, qui est présenté par quelqu'un qui est très connu dans le domaine de l'entrepreneuriat, Verstrat. Une cause, ça trajet entre l'idée et un business plan. Comme je disais, n'importe qui l'entreprise, là nous commençons, la première étape, c'est l'idée. Right? Nous cherchons l'idée innovateur pour qui, comment dire, nous trouvons une idée qui peut marcher, avec qui nous sommes capables de prospérer, nous capables de fructifier nos investissements. Une fois que nous finissons de trouver l'idée, bien sûr, nous recherchons une opportunité. Donc, l'opportunité sur le marché. Donc, nous devons observer, nous devons avoir une demande de consommateurs, nous devons avoir un problème dans la société pour qui nous vienne avec un produit ou bien un service qui répond à sa demande-là et puis capable de régler le problème qui nous fait faire face dans la société. Ensuite, l'étape que nous allons aborder aujourd'hui, c'est business model. Donc, nous t'en parlons souvent, le business model, pas seulement dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais un peu partout. Donc, une entreprise ou bien une organisation, dire que ça nous change, par exemple, le business model, c'est constitué de quoi? Qui était un business model qui nous pouvait être dans la session-là. Ensuite, once qu'il nous finit de faire ça, là, nous avons une strategic vision. Donc, dans quelle direction nous pouvons aller? Toute l'entreprise vise une mission et une vision. Donc, dans quelle direction qui nous pouvons aller? Et finalement, pour aboutir à un business plan. Un business plan, c'est un plan qui est détaillé de l'entreprise,
tout bonne component, tout bonne élément, tout bonne étape qui nous besoin suivre pour qui nous capable réalise l'idée et concrétise nous l'entreprise. Alors voilà un petit peu le parcours qui versera de causer. Donc nous pour en temps aujourd'hui une désaffinée cause l'idée, une désaffinée cause opportunité dans bonne session précédente. Donc dans cette session là nous pour cause bien évidemment le business model. Alors qui nous pour causer le business model, nous pour cause qui était le business model, l'importance de business model, nous pour cause business plan, comment il est différent d'un business model, qui nous comprend un business plan, qui nous comprend un business model, et différencier les deux, et bien sûr, nous pour cause the components of business model. Alors, c'est quoi un business model? Je te disais au départ, avant de commencer une entreprise, nous besoin créer soit un produit, nous besoin rôde l'idée pour créer soit un produit ou bien un service mettre sur le marché. Donc, qui nous besoin faire? Nous besoin capture value. Right? Et puis, nous voulons dire un truc qui est le processus pour nous capables de transformer sa valeur qui nous capture là et nous capables de délivrer jusqu'à être capables d'aller vers le consommateur. Donc, il y a deux éléments qui sont importants dans ce trajet là. Un, d'abord, le business plan qui nous propose aujourd'hui. Et puis, nous propose le business model d'abord, aujourd'hui. Et puis, éventuellement, dans quelques sessions après, nous propose le business plan qui est un plan un peu plus détaillé lors de l'entreprise. Alors, business model, c'est quoi? C'est une summation of the core business decision and trade-off employed by a company to earn profit. Ça veut dire que c'est un l'ensemble de toutes les décisions que l'entreprise prend pour qu'il nous capable gagner profit, pour nous capable générer profit. Je souhaite bien que l'entreprise, ça nous fait aller, c'est tout le temps, the entrepreneur is always profit motivated. Le profit, c'est au centre même d'une entreprise. C'est la raison d'être même d'une entreprise. Right? C'est pourquoi un business model, c'est l'ensemble de toutes les décisions qu'il nous prend pour qu'il nous capable générer profit dans l'entreprise qui nous permet, soit à travers un produit, soit à travers un service. Donc, en général, nous avons quatre éléments dans la nous faire nos business models. Premier élément, c'est revenue sources. Là, nous, on est un petit peu plus en détail qui ne comprend pas revenue sources. Nous pouvons être un petit peu man cost drivers, qui man cost qui rentre en jeu là nous développons l'entreprise. Donc là nous causons l'entreprise quand on dit du profit motivation, profit motivator. Bien sûr nous avons le revenu, nous avons le cost, nous causons également investissement, mais nous causons investissement, combien d'investissement, la valeur d'investissement qui nous fait. Donc qui demande qui élément, qui man dans qui man étape et qui élément qui nous besoin investir. Et puis évidemment dernier l'air, nous pouvons cause l'eau the critical success factors, par exemple le marché. La demande, l'offre, etc. Donc, si nous allons aller un peu plus en détail le business model, alors c'est un modèle, c'est quoi en premier lieu? Un modèle, c'est un plan, c'est un diagramme, ça veut dire c'est un résumé, ce qu'ils ont envie d'écrire. Si nous causons l'entreprise, donc tout le détail d'un plan de l'entreprise qui nous permet de mettre sur place. Maintenant, business model, c'est quoi? C'est également un plan, un diagramme, mais qui réunit tout un élément. Par exemple, il réunit par exemple les compétences, les ressources qui nous peuvent servir, la structure, la relation, le stakeholders avec qui nous peut dire, évidemment les consommateurs, qui est très très important. Et puis nous prend tout ça élément là pour nous capables ensuite concrétiser et générer profit. Donc le terme business model, il inclut tout ça là. Donc, à partir de l'idée jusqu'à le produit à la marketplace. Alors, diagramme-là, il résume un petit peu le trois axes d'un business model. Donc, bien, nous pouvons d'abord offering, c'est-à-dire qui nous peut offrir sur le marché, le produit, le service. Nous pouvons sustainability, parce qu'il ne va pas permettre un business sur place aujourd'hui pour qu'il y ait un bout de temps après il disparaît. Non. Il y a besoin sustainable, il y a besoin durable dans le temps. Et puis, bien sûr, nous pouvons générer profit à la fin de la journée. Dans un process, il faut dire que nous sommes capables de générer profit, qui nous appelle monetization. Donc, offering, qui nous peut comprendre, si nous castons plus un petit peu en détail, nous pouvons market attractiveness, qui marché qui nous peut viser, est-ce qu'il y a une niche market qui nous peut viser, qui secteur du marché qui nous peut viser, qui couche de la population nous peut viser, qui age group qui nous peut viser, est-ce qu'il est vise toute la population, ou bien est-ce qu'il vise une population jeune, moins jeune, homme, femme? Donc, tout ça là, c'est nous besoin d'analyser, là, nous faire nos analyses de la demande. Et puis, très, très important, c'est unique
value proposition. Lorsque nous mettons un produit ou un service dans le, sur le marché, il faudrait nous mettre quelque chose, soit un produit ou un service, qui est unique. Qui a fait unique et dans nos produits ou dans nos services? Parce que pour nous survivre dans un very competitive world qui nous fait vivre aujourd'hui, il faudrait que nous innover nos produits. Je pensais, moi, je cause longuement l'innovation dans mes deux sessions précédentes. Donc, l'innovation, nous avons une uniqueness dans nos produits ou dans nos services. Soit dans le produit, soit dans le service, ou bien dans le processus. Il faudrait qu'il nous innove. Nous avons un produit qui est unique. Right? En ce qui s'agit de sustainability, nous avons bien sûr que nous innovative facteur qu'on veut dire. Nous avons get like ongoing competitive advantage. Donc nous avons secure un competitive advantage le produit ou le service que nous peut offrir. Right? Nous avons bien sûr avoid un pitfall, un chose qui capable, un obstacle qui capable venir au cours de route. Nous avons trouver une façon pour nous capable surmonter cet obstacle là. Et en ce qui s'agit de générer profit, monetization, donc profit model, donc ça important. Et puis, bien sûr, sales performance model. Nous devons continuer à suivre nos ventes, nos turnovers régulièrement. Est-ce qu'il nous peut stagner? Dans quelle étape nous étions dans sa product life cycle? Est-ce qu'il nous au départ? Est-ce qu'il nous dans growth? Est-ce qu'il nous dans maturité? Est-ce qu'il nous dans maturité? Qui nous devons faire pour continuer? Donc reste, augmente nos productions, augmente nos ventes et pousse un petit peu l'étape de déclin. Donc, nous devons bien sûr innover dans le process, dans le produit, dans le service, pour que sa maturité-là y aille encore plus longtemps. Alors, analyzing the business model. Alors, le quatre éléments qui me dit dans nos slides précédents, nous répondit. Donc, nous devons determine revenues, the timing and the key drivers. Qui sont les key drivers nous aidant pour déterminer revenues? Revenues qui est un component important. Nous devons l'argent qui rentre à travers la vente. Nous devons déterminer les costs et expenses, donc les costs qui nous cassent en coûts variables et en coûts fixes. Donc, nous devons déterminer qui est le coût qui rentre en jeu. Et très important, il faut dire qu'il nous prend tout le coût en considération. Souvent, des fois, un entrepreneur les calcule ce coût. Il y a une tendance à pas prendre en considération certains coûts qui disent non, il n'est pas rentre dans la production ou dans le service. Je prends un exemple. Là, nous commençons une entreprise. Advice qui tout le monde demande à un entrepreneur, c'est commencer une entreprise petite pour qu'il soit flexible, pour qu'il soit capable de changer et demande moins d'investissement. Très important. Là, nous commençons une entreprise, bien sûr, nous commençons petit. Souvent, des fois, nous commençons une entreprise comme nous, dans nos garages, avec une raison évidente. Par exemple, si j'ai envie de faire une entreprise manufacturière, au lieu de louer l'entreprise, le loyer coûte extrêmement cher maintenant. Donc, capable de commencer dans la chambre, dans la case qui est dans, ou bien dans mon garage, ou bien dans mon arrière-cour, qui fait parce que nous payons ça coût de loyer à payer. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est garder le coût aussi bas possible. Et nous contrôlons ce coût. C'est pourquoi nous advisons tous les jeunes qui lancent une entreprise et essayer qu'il y ait une façon comment nous capables de faire moins de dépenses, diminuer le coût, garder le contrôle de nos coûts. Ça veut dire que le loyer, si nous ne pouvons pas payer, c'est un gros item qui nous pas besoin de dépenser. Bien sûr, l'entreprise là, elle grandit, elle évolue, nos turnovers peuvent augmenter, nous besoin augmente nos personnels, nous payons vers le marché qui nous pas tout ça auparavant, nous payons toutes nouvelles exportations. Bien sûr, nous pas capables de continuer à opérer comme nous peux opérer. C'est tout à fait normal, grandit. Et pareil comme nos enfants, les lunettes, ils restent dans le père, mais pas qu'à grandir les enfants là, 18 ans, 20 ans, 30 ans, ils sont encore dans le père. Donc, il faut dire qu'il allait évoluer. Nous évoluer l'environnement, l'encadrement, l'environnement, place que tu peux faire l'entreprise. Bien sûr, là, on est capable de louer un bâtiment et nous prenons suffisamment fun, suffisamment profit pour nous capables de payer un emplacement, pour nous capables de recruter les autres travailleurs, nous capables d'investir encore. Donc, ça, nous capables et un coût un peu plus élevé. Donc, investissement également. Le montant d'investissement, dans quel créneau nous devons investir, quand nous devons investir, c'est tout ça un élément-là qui nous pourrait être plus en détail dans une slide qui nous pourrait venir après. Et puis, détermine the key units of analysis, c'est-à-dire le consommateur. On dit au départ, le consommateur, c'est la personne centrale pour une entreprise progresser. Si nous avons un produit ou bien un service qui, peut-être nous pensons qu'il est un produit très bon ou bien un service qui est très, très correct, mais dans l'autre bout, un consommateur pas dans le même avis, je ne suis pas content le produit, je ne suis pas
pré-accueillir le produit. Donc, là, c'est un problème. Donc, nous devons, bien sûr, get un petit peu, changer un peu de business model pour qu'ils soient capables de faire vivre more customer friendly et qu'ils soient consommateurs capables d'accueillir le projet, accueillir le produit ou bien le service un peu plus bien. Alors, le timing de business model maintenant. Quand nous devons faire le business model? Je vous rappelle, dans la deuxième session, nous te dire il est très important de faire ce qu'on appelle the feasibility analysis. Qui ne comprend pas feasibility analysis? Donc, nous avons une série de questions qui nous posent dans cette étape-là. Nous dire comme ça, the why, the who, the where, the when, etc. Et la réponse de toute sa question-là, s'il est oui, nous sommes capables d'aller de l'avant. S'il est non, bien sûr, nous devons remettre en question, nous devons retourner dans l'étape que nous pouvons dire idea generation, c'est-à-dire un problème quelque part, l'idée qui nous trouvait n'est pas pour capable d'aller de l'avant, donc bien sûr, nous devons retourner en arrière. Mais si nous feasibility analysis, quand une étape arrive, étape de feasibility analysis, nous trouvons les réponses des différentes questions que nous nous posons, c'est oui. Donc bien sûr, à partir de ça, c'est-à-dire nous trouvons un produit ou bien un service et là, nous analysons, nous trouvons qu'il est capable d'aller de l'avant, nous sommes capables de générer profit, nous l'investissement qu'il nous peut faire dans le domaine, ni pour générer return on investment. Donc, bien sûr, dans l'autre étape. Et l'autre étape, c'est justement à faire le business model. Donc, démarre à partir de l'idée, nous faire feasibility study, et la prochaine étape que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est dégage le business model. OK? Donc, une fois que nous finissons faire feasibility study, et là, nous allons vers ça, sur ça pour guetter effectivement, est-ce que le produit est viable, faisable pour nous capables d'aller de l'avant. Alors, comment nous trouver un business model qui serve as an extension of the feasibility analysis qui nous fait précédemment. La question qui nous pose en permanence, tout le temps nous nous posons la question, la question fondamentale, does this business make sense? Si nous trouvons que la réponse à sa question qui m'obéit dire régulièrement nous nous poser à toute l'étape, dans tout le parcours de la création d'entreprise, si nous trouvons la question, c'est non, the product or the service we are putting in the market is not making sense, nous trouvons le consommateur, c'est un produit qui n'est pas pour vendre, qui n'est pas pour accepter, qui peut accepter difficilement par un consommateur. Donc, bien sûr, nous devons remettre nous en question, nous devons retourner l'étape de idea generation. Il y a un problème quelque part. Vaut mieux nous arrêter là. Vaut mieux nous arrêter là pour qu'il ne pas buter dans l'avenir. Donc déjà, si nous trouvons la réponse est non, toute bonne question qui nous pose nous trouvons et il n'y a pas de réponse positive. Donc là, mon pensée, nous disons stop. Avec ça, l'idée qui nous avons envie de développer là, et retourne à l'étape A, back to square one, pour nous capables trouver l'idée, retravailler l'idée pour nous capables de continuer le reste. Et nous disons également trouver les networks. Un business n'est pas opéré dans un vacuum. Il opère dans l'environnement. Et dans cet environnement-là, nous avons plusieurs bonnes partenaires, plusieurs bonnes stakeholders qui l'ont. Nous pouvons, par exemple, les suppliers, les fournisseurs. Nous pouvons, les investisseurs. Nous pouvons, le consommateur. Ça, c'est un partenaire qui est très important dans l'entreprise. Et dans beaucoup de les autres, mais ça, c'est un main partners qui nous besoin, qui l'a tout le temps et qui nous besoin considérer. OK? Alors, the four components of the business model, si je suis capable de résumer dans sa quatre components-là, c'est premier, nous avons une core strategy. Donc là, nous déterminons the mission of the business, the scope of the market après le produit, et puis le basis for differentiation. Comment nous sommes capables de différencier nos produits ou bien nos services dans ce qu'ils nous permettent de faire. Pour qui le produit et les services qui nous permettent sur le marché, c'est un produit différent de ce qui nous vend compétiteurs permettent. Il ne faudrait pas nous venir avec un modèle, avec un produit identique. Moi, nous disons, peut-être dans la première édition, nous disons, quelqu'un qui lance un produit ou un service qui peut marcher, nous dire à nous faire même d'affaires. Il n'y a pas une formule qui nous dit si un produit ou un service peut marcher. Si nous prenons le même produit, mais le même service, pas nécessairement, ça produira le service marché. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Donc, nous sommes bien capables de différencier nos produits ou bien nos services pour qu'ils nous capables de trouver un marché pour ces produits ou bien services, ce qui n'est pas évident. Il peut venir avec le temps, évidemment. Deuxième component, c'est les strategic resources. Nous ne sommes pas capables de causer l'entreprise si nous peinons ressources. Right? Là, nous peut causer ressources financières. Parce que sans l'argent,
important. Mais avec combien l'argent, nous payons l'argent, ça veut dire qu'il est capable, ticket, est capable beaucoup dépend l'envergure du projet, right? Mais ressources financières importantes, mais également importantes ressources humaines, donc travailleurs, l'administration, man salesman, les livreurs, etc., etc. Et puis, man strategic asset qui devient dans l'entreprise. Troisième composante d'un business model, c'est le partnership network, le réseau de man partenaires. Et comme on dit, elle est là, dans le réseau de man partenaires, nous avons man suppliers, si nous payons alvers produits, nous pouvons faire mettre un produit sur le marché. Donc, bien sûr, nous avons man suppliers de man matières premières. Donc, ça, c'est un partenaire important et déterminant. Par exemple, si par exemple nous lancer un produit dans le manufacture avec product que nous mettons nos matières premières sorties à l'extérieur, par exemple dans le cas qui nous dit à ce là, nos frontières fermées, pas seulement nos matières premières, nos frontières fermées, mais les autres aussi, les autres pays aussi, une ferme de frontières dans situation oblige avec COVID-19. Donc là, si nous tenons un produit qui nous dépend de nos matières premières qui sont sorties dehors, donc, déjà, nous prenons une rupture d'un stock dans nos matières premières. Et ça, il est néfaste pour nous lancer. Qui nous en sont. C'est bon? Right. Alors, deuxième partenaire, nous avons besoin d'être un investisseur. Des fois, nous payons suffisamment de finances pour nous capables de lancer une entreprise. Là, nous avons un recours à les autres sources de finances. Nous pouvons venir un petit peu plus loin dans sa session-là. Nous vous causons une source de financement. Nous vous trouvez, il y a plusieurs sources de financement qui est une start-up capable. Donc, d'abord, c'est une source de financement personnel, et puis, qui sont les autres personnes capables de contribuer pour capables d'avoir suffisamment de ressources pour nous capables de lancer. Et nous avons besoin d'un key relationship. Et l'entreprise, dire autres bien, également important, c'est une relation qui nous développe autour de nous. Nous ne sommes pas capables de demander à l'entreprise et nous renfermer nous-mêmes. Il faut que nous soyons open-minded. Il faut qu'ils nous laissent disponibles, ouverts avant les autres personnes, avant les autres partenaires, qui est important. Donc, évidemment, dernier component de ce modèle-là, c'est le customer, ça veut dire le target customer qui nous peut viser. The pricing structure, comment nous peut, qui prix nous pouvons mettre à nos produits ou nos services. Donc, tout ça là, ça c'est quatre éléments. Donc, core strategy, strategic resources, man partner network, et puis, bien sûr, le consommateur qui construit les quatre components d'un business model. Alors, si nous avons envie de résumer le business model, c'est quoi? C'est un mapping de tous ces éléments-là. Where will your business idea start? Comment nous pouvons progresser? Comment nous pouvons assurer nous qu'il nous parle dans la bonne direction? Comment nous pouvons assurer nous qu'il nous pouvons gagner succès au bout de l'effort, au bout de ce qu'il nous permet de faire? Et puis, hyper important, how will you create value for customers? Donc, le consommateur, il l'a. Une dialie au départ, le consommateur est roi. Nous, si nous avons l'entreprise que le produit ou bien le service qui nous met sur le marché, ce n'est pas un produit ou un service qui est prisé par le consommateur, nous, pas pour loin. Donc, il faut dire nous créer la valeur. Et nous connaissons les consommateurs peuvent de plus en plus exigeants. Right? Avant, ils dépensent de l'argent,
Il y a plusieurs options. Hein. Dans n'importe qui produit un service qui nous permet de penser pour mettre sur le marché, dis-je, qui est un produit un peu similaire ou bien exactement le même produit, ou bien les services existaient là. Donc, la question qui nous impose, nous, qui fait le consommateur pour switch from the other product to our product? Qui fait, par exemple, si il a, d'habituellement, il y a vers un service X, qui fait, il besoin vers nous. Donc, il faut dire qu'il nous crée de value. Il faut dire des affaires qui sont nouveaux. Il faut dire des affaires dans nos produits ou bien des services qui attirent. On va connaître peut-être le goût, le qualité, ben, option peut-être dans le produit, la couleur, la tendance. Donc, tout ça, là, éléments-là qui nous besoin prendre en considération pour qui, at the end of the day, nous créer de la valeur qu'il a consommateur recherché. Comme on dit au départ, le consommateur, et d'ailleurs avec juste, avec abandonnement de raison évident, vous êtes de plus en plus exigeant. Donc, si vous êtes de plus en plus exigeant, donc nous, at the other end, nous besoin, mettez-nous à la disposition du consommateur qui est équilibré et produire en conséquence et tout guider nos bonnes services en conséquence pour qu'il le consommateur est satisfait et capable de fidéliser sa bande consommateur. Là, il est très important. Parce qu'il n'est pas besoin d'un consommateur qui dit acheter nos produits aujourd'hui, qui consomme nos services maintenant, mais il faut dire qu'il est dans la durée. Alors, qui est un élément du business model qui nous est dans? Right? Nous avons plusieurs éléments du business model. Nous venons un petit peu plus en détail lors de cet élément du business model. Une cause de consommateur, donc business concept et vendor opportunity. Ça, ideal customer, qui nous fait définir qui nos consommateurs besoin d'être, qui qualité marché qui nous fait viser, qui component du marché qui nous fait viser. Également, l'autre élément, c'est value change position. Au fur et à mesure que nous progressons, nous besoin créer la valeur. Et pour qui, at the end result, lui satisfaire ce que le consommateur veut roder. Customer value, donc, qui bénéfice il apporte au consommateur, nos produits ou nos services. Il faut dire qu'on nous dit au départ, là, nous peut mettre un produit ou bien là, nous peut mettre un service. Il faut lui régler un problème que la société fait face ou bien une demande, un unmet need ou bien un unmet want qui consommateur là. Il y a envie quelque chose. Il y a envie un produit ou un service qui perd sur le marché. Donc, nous vînons avec sa produit. The revenue sources, important. Donc, nous avons des components là-dedans. Nous avons un revenue, right? Mais de l'autre, en contrepartie, nous pouvons avoir un cost aussi. Donc, comment nous sommes capables de maximiser le revenue et diminuer le cost? C'est tout le basic d'un business. C'est la base même d'un business. Donc, dans le produit, dans le service dans qui nous pouvons aventurer, nous avons vise à maximiser le revenue. Donc, vendre de plus en plus de produits. Et de l'autre côté, diminuer le coût. Donc, avec l'expérience, nous sommes capables de diminuer le coût. Et la différence entre revenue et cost, bien sûr, c'est le profit. Donc, si nous augmentons nos revenus et gardons nos coûts bas, donc nos coûts maximisent le profit, nous pouvons augmenter nos coûts. Donc, il y a ces deux éléments-là qui sont importants. Et puis, le competitive advantage. Lors le produit ou bien le service qui nous permet de mettre sur place, il faut dire qu'il nous ait un competitive advantage. Mon collègue Ticos, lors l'analyse de concurrence, vous pensez dans la dernière session, qui est important. Donc, nous faisons analyse le point fort et le point faible de nos concurrents. Il ne faut pas nous développer notre entreprise et nous dire que nous n'avons rien à faire avec nos compétiteurs. Le compétiteur est là, il est tout le temps là. Mais nous faisons observer en permanence ce qu'il peut faire, qui se move ce qu'il peut faire dans l'entreprise. Parce que sinon, si nous ne gardons pas un visier low de notre concurrence, nous risquons qu'il nous a thrown out of the market parce qu'il peut innover, il peut, et le processus, et le produit, et les services, et nous pouvons rester backward. Donc, il est très important, nous capitalisons sur ce competitive advantage qui nous désigne dans nos concurrents. Alors, un petit peu plus en détail, les 7 elements of strong business model, donc spécifier identifier nos specified audience, c'est-à-dire nos consommateurs. Nous avons établi le business process, donc tout bon élément qui est dans sa process, nous avons établi. Nous avons record our key business resources, donc ressources en termes de humains, en termes de finances. Développe, et moi tardement, alors là, développe a strong value proposition. Right? Strong value proposition veut dire le produit ou bien le service
How will your company stand out among the in the competition? In the fierce competition, la compétition d'une cutthroat competition qui est dans des hauts. Le produit ou les services qui nous permettent de mettre sur place, c'est pas le premier produit ou le premier service. Le produit est déjà là. Déjà, ben, les autres compétiteurs. Il y en a peut-être plusieurs compétiteurs sur le marché. Donc, nous besoin d'être un coup de comment nous stand out de tout ça, ben, compétiteur qui nous est dans là. Donc, nous besoin d'être avec une strong value proposition. Déterminer nos key partners, assez élaborer nos key partners, suppliers, nos advertising partners, strategic alliances, etc. Donc, how many customers find you? Fait que maintenant, nous venons avec un produit ou un service et nous réussissons dans cette étape-là, nous trouvons un produit ou bien un service qui est innovant, qui est very attractive, qui est capable de marcher. Donc, maintenant, la consommateur pose la question, qu'est-ce que nous trouvons-nous? Est-ce qu'il y a un brand? Il est important. Peut-être dans une prochaine session, nous vous poser l'importance d'un brand. Right? Comment je suis capable de continuer, attends, d'abord, acheter le produit et continuer garde sa tendance-là. Donc, régulièrement, tu vas le produit. En passant, comment nous connaissons nos produits ou bien nos services d'un produit correct qui peut marcher? C'est tout simplement parce que c'est tout simplement nous connaissons nos produits, c'est un produit qui c'est sa produit ou bien ce service un consommateur peut dire. Quand le consommateur vient vers nous pour ne serait-ce pas une deuxième fois. Right? C'est très important. En fait, maintenant, le consommateur a envie de nous mettre une nouvelle marque de fromage sur le marché. Peut-être par curiosité, ou bien par le prix, ou bien par l'attirance, le packaging, par exemple, le consommateur, dans un premier temps, est capable d'essayer de tenter et acheter le produit. Mais ça veut dire qu'il fidélise le consommateur. Il faut dire que le consommateur, il consomme le produit, right? Il retourne vers ce produit-là pour une deuxième fois. Faire, comment dire, le deuxième coup, la personne vient dans le supermarché, le produit qui lui fait causer, c'est le fromage. Donc, il achète encore une fois sa marque fromage-là. Mais dire là, nous créons un consommateur qui est fidèle à nos produits. Et c'est là qu'il nous faut penser, nous sommes on the right track. S'il peut acheter le produit comme ça, parce qu'il trouve un nouveau produit et il consomme et qu'il trouve qu'il n'est pas correct, donc bien sûr, il peut retourner vers les autres produits de substitution. Donc, sa fidélisation de consommateur est très importante. Et puis, last but not the least, leave room for innovation. Vous pensez dans tous ces champs qui nous pour causer, nous pour causer l'élément incontournable, indispensable, qui est l'innovation, la créativité et l'innovation. Il faut dire qu'il nous tout le temps est dans room for innovation. Ne pas dire comme ça, fini, nous trouvons un produit ou un service qui marche bien sorti, nous happy, it generate and turnover, nous OK, nous sommes capables de grandir notre entreprise, in the short run, be OK. But is it going to work in the long run? Une entreprise, ce n'est pas une entreprise qui nous mettait aujourd'hui et au bout de quelques mois, nous dit correct. Il faut dire qu'une entreprise, la durée, sustainability of the enterprise, c'est très, très important. Donc, l'innovation, c'est ça qui peut appeler nous dans sustainability of the enterprise. Nous disons tout le temps, remettre-nous en question. Remettre nos produits, remettre nos services en question. Même si le produit ou bien le service paye mars extrêmement bien, nous fidélisons nos clientèles, mais pas veut dire qu'il nous besoin sleep on our laurels. Nous dire OK, correct, nous bien, nous trouvons un produit, un service qui marche, fine enough, nous correct. Non, tout le temps, nous besoin find room for future innovation. Innovation in the product, innovation in the service, but also innovation in the process. Parce que at the end of the day, qui nous peut envie faire? Nous peut envie postpone ça l'étape maturité qui nous est causée dans the business, the product life cycle. Nous avons growth, nous parlons maturité, et à l'étape de maturité, the sales peut stagner. Si nous pouvons vendre 1000 unités de nos produits, je peux trouver que nous pouvons continuer à vendre 1000 unités de nos produits. Contrairement à growth, quand nous pouvons vendre 700, nous gagnons 1000, nous gagnons 1200. Donc, il faut dire qu'il nous pousse à l'étape de maturité là, et c'est pas à travers l'innovation, dans le processus, dans le produit, dans le service, qu'il nous capable pousse à l'étape de maturité là. Et entame l'étape de déclin qui peut venir après, mais nous pousse l'étape de déclin un peu plus loin pour nous capables de continuer prospérer, continuer à grandir l'entreprise. Donc, ce septième élément-là est important. Bien sûr, les autres aussi sont importants,
Mais c'est là que beaucoup de PME, de micro-entreprises fail, and they fail miserably. Je crois qu'ils ont gagné de produits ou bien de services. OK, c'est la fin de l'histoire. Non. Il faut dire qu'il est dans ce domaine-là, il faut dire tout le temps in a room for innovation. Alors, ça slide-là, il résume un petit peu tous les éléments donc, d'un business model. Un peu plus en détail, donc nous faisons marketing, dans l'entreprise nous faisons marketing, nous faisons la vente, nous avons HR, gestion de ressources humaines, IT qui est très important, nous ne faisons pas qu'à entreprise moderne sans nous avoir la touche technologique, nous avons tout le temps, servi par le développement technologique pour faire une entreprise plus performante, plus moderne, manufacturing, shipping, si nous faisons tout vers l'exportation, customer service, the legal aspect, product development, donc tout ça là, lui, Vinlo, cinq créneaux qui est la distribution, les partenaires, the suppliers, the materials, la matière première, et si nous besoin outsource, si nous payons les services qui sont available, si nous besoin outsource. Par exemple, un petit entrepreneur, au départ, c'est vrai qu'il a besoin presque faire tout, il a besoin plus ou moins un one-man show, mais avec développement, peut-être, il a besoin outsource, par exemple, la section finance. Peut-être qu'il payant skills and knowledge dans les finances, donc il est capable d'outsource sa service-là à une autre personne qui est mieux rodée dans le domaine des finances. Donc, business model, notre revenue model et le cost model, c'est deux pôles importants dans l'entreprise. Donc, les sources de revenus, the cost of goods sold and the operating expenses. Donc, revenue model, c'est une source de revenus, mais le cost model, on a deux costs qui vont. Donc, il y a un variable cost, fixed cost. Il y a un coût de démarrage, le coût de production. Et puis, il y a un operating expenses. Il y a un utilities, par exemple, téléphone, transport, etc. Donc, tout ça là qui constitue the total cost de l'entreprise. Alors, à nous qu'est-ce que c'est, si nous finissons cause nos business model, c'est quoi qui sont l'importance qui fait du bien faire libre? Nous qu'est-ce un business model canvas. Canva. Donc, qui est un élément qui nous est important? Nous sommes capables de prendre plusieurs étapes dans un business model, mais à la fin de la journée, le business model est un tout ça un élément. Partenaire, les activités, les ressources, the value proposition, the customer relationships, the channels, the customer segments, the cost, the revenue stream. Donc, n'importe qui business model nous peut faire, dans n'importe qui secteur, dans n'importe qui domaine, soit pour une production, que ce soit pour un service, l'IBISA regroupe, at the end of the day, tous ces éléments-là dans ce canevas du business model. Nous sommes un petit peu plus en détail dans ce canevas-là. Donc, la bonne question qui nous impose, nous, et la réponse de qui pour constituer le business canevas, c'est who will help you? Donc, peut-être nous pouvons avoir les autres associés, peut-être nous avons les autres personnes pour être capables de nous coup de main. Si nous avons une compétence dans ce domaine-là, donc bien sûr, nous avons recherche de compétences. How do you do it? Comment nous faire? What do you do? Right? The value proposition. How do you interact? Who do you help? Donc, avec un produit, le consommateur. Donc, le produit consommateur vise, le produit ou le service vise un consommateur. Donc, comment nous faire ça? What do you need? Là, en termes de ressources financières et de ressources humaines. How do you reach them? Qui nous manque channels of distribution? Qui façon nous produit ou bien nous service reach ultimately the customer? Très important. What will it cost? Donc, nous venons avec un produit, un service, mais combien il coûte pour qu'il nous capable de mettre nous market et puis générer profit? Combien il coûte d'abord? Très important de construire le coût. Donc, on dit le coût, c'est coût variable, coût fixe, et un ensuite les deux, c'est le total cost. Et pour construire de quoi? And how much will you make à partir de coût? Combien nous pouvons vendre? À partir de qui nous pouvons vendre? Combien l'argent nous pouvons faire? Combien nous turnover pour être? Combien nous la vente pour être? Donc, autant de questions. Et la réponse de toutes ces questions-là, éventuellement pour faire nos business canvas. Donc, on va dire au départ, pour nous faire un business canvas qui est cohérent, qui est compréhensive, il faudrait qu'il nous réponde à toutes ces questions-là individuellement. Et collectivement, nous prenons tout ça là, les formes nos business model canvas. Right. Laisse-nous venir un business model qui m'ont trouvé pour Dell. Dell, c'est un fournisseur, c'est une organisation très connue, hein, qui fait l'ordinateur.
nous pouvons trouver comment Dell ce business model les diffère from the traditional manufacturers. En fait, Dell ce qu'il y fait, nous pouvons être à gauche de nos slides, et là, un traditional manufacturer, un compétiteur dans le dans sa domaine de l'ordinateur, de, right? Par exemple, IBM, nous avons Hewlett Packard, donc ça c'est un compétiteur. Et puis de l'autre côté, à droite, nous pouvons trouver Dell. Et nous pouvons trouver comment le Dell business model il diffère de the traditional one. Dans la traditional one qui trouve à gauche, nous pouvons trouver qui, comment nous procéder, comment maintenant procéder, c'est the forecast demand, donc guetter qui demande, qui demande pour leur produit. Obtain subcomponents from suppliers, donc ben suppliers donne d'autres ben components. Make basic components, ben fait une partie, ben suppliers fait les autres ça. Et puis, ils assemblent tout cela. Donc, vous trouvez, ils ne font pas tout les components. Suppliers peuvent être en partie. Ils font en partie. Et puis, ils bring together all the components. They store the PC in the warehouse. Donc, en fait, ils font les gardes dans leur warehouse. Et puis, ils envoient les pour shipment. Right? And the PC sit on the retailer's shell unit sold. Ça veut dire, en fait, ils finissent en envoyer les, ils allent vers un revendeur. Et puis, ce revendeur-là, ils vendent ça avec un consommateur individuellement. Right? Pour qui, at the end of the day, les vignes dans la main du consommateur. Donc, on trouve autant l'étape qui le produit business passé, from demand, from forecasted demand, to come in the hand of the consumer. Donc, il y a autant l'étape. Dès qu'il vient faire, il vient avec un business model qui est un peu différent de ça. Il brille beaucoup de ça en étape-là. Right? Il vient avec une étape que l'ordinateur est là. Mais il coupe ce qu'on appelle the middleman. Donc, il y a directement dans la main du consommateur. Si nous regardons un petit coup dans le right hand of the slide, vous trouvez the customer places order pareil, order dans le traditional way, via phone ou internet. They contact manufacturers instantly in order to, for shipment. Ça veut dire, ils get manufacturer, ils gagnent ça, ils ship ça. Dell, ils assemble all the computer. Et puis directement les ship to the consumer à travers FedEx, à travers les autres modes de distribution. Donc, payant, il pas passe par ban middleman, al dans magasin, al dans ça. Donc, sa middleman là, il coupé. Donc, il révolutionne un petit peu et en faisant ça, qu'il peut faire vous autres? Il peut diminuer le coût et ça profite la middleman si vous gagnez là, il vient directement avec Dell. Donc, d'une part, il peut faire produit-là vient plus rapidement dans la main du consommateur et d'autre part, en brûlant l'étape que tu passes par le middleman, en brûlant cette étape-là, donc il peut diminuer le coût. Parce qu'il dit tout bien dans toute cette étape-là, il y a une partie de sa profit-là qui est à différents personnes-là. Donc, le middleman, il prend une partie de sa profit-là qu'il peut tirer. Tout ça, une personne qui rentre en le demand et puis rentre dans le consommateur, tout ça, une personne, ça gagne pas de sa produit parce qu'il peut évoluer dans le business. Mais l'IP brûle tout ça en étape-là. Donc, d'une part, le profit augmenté et d'autre part, le consommateur gagne lit directement, donc plus rapidement. Donc, c'est ça qui Dell Tivini avec un modèle que directement à partir de l'entreprise, il y a directement the end user. Par contre, in the traditional model, comme vous trouvez dans sa slide là, il y a un retail store qui est au milieu, the middleman. Il fait le lien, il fait le relais entre l'entreprise et the final user. Mais par contre, en ce qu'il s'agit de Dell, vous trouvez the retail store is not there. Il y a directement vers the end user, donc il brûle cette étape là. Donc brûle cette étape là veut dire diminuer le coût. Faire produit là vient plus rapidement en vente consommateur et bien sûr maximize profit. Donc au lieu de profit is shared with the retail store, il gagne tout sa profit là en lui-même. On nous vient un petit peu dans ma dernière slide, slow business plan. Donc nous bizarre souvent nous cause de business model, mais nous cause également du business plan. Un outil différencier qui fait nous pas capable le business plan et le business model. Le business plan et le business model est différent. Le business model, je veux dire, c'est un résumé, c'est un plan de comment nous pouvons générer profit. Par contre, le business plan,
c'est un document un peu plus comprehensive, right? Et a beaucoup plus d'éléments, un peu plus détaillés pour connaître les stratégies de la compagnie. Right? And expected financial performance dans mon année qui peut venir. Je vous trouve dans ce petit diagramme qui est en bas là, je vous trouve dans le business model, c'est au centre même du business plan. Donc, à partir de sa business model qui est au centre de sa business plan là, là, nous sommes capables, cause de distribution, core values, competitiveness, produit, management, target customer. Alors, c'est ça qui différencie le business model qui est une étape avant, l'étape après. Là, nous réussissons le business model, là, dans le business plan qui est un peu plus détaillé, qui cause la stratégie de la compagnie. Alors, nous allons très rapidement un petit peu élaborer plus la différence entre les deux. Donc, le business model, c'est la foundation, c'est la fondation. Et puis, le business plan, il build the structure. Donc, là, nous faisons un bâtiment, vous êtes évident, si nous faisons une bonne fondation, donc, nous ne sommes pas capables d'aventurer, nous, build up, là, une fondation qui n'est pas correcte. Donc, pour nous capables de build a very good business plan, for the business model is very good. For the la fondation, c'est solide. Et à partir d'une fondation qui est très solide, nous capables build up et vivre avec le business plan. Alors, le business plan goes into the details, right, pour montrer comment l'idée marche. Par contre, le business model, il considère le mécanisme, comment le mécanisme est, et qui est le mécanisme qui nous met en place pour nous capables de générer profit. Rapidement, alors, on parle dans un peu trop de littérature dans sa slide-là. Donc, en d'autres mots, le business plan, c'est il cause la stratégie. Par contre, le business model, il dit à nous comment nous sommes capables de secure, make money à travers nos entreprises. Alors, laisse-nous venir dans ce qui me mettait au rouge au bas. Donc, business model and business plan cannot function without each other. Faut dire la nous formons une entreprise, nous avons le tout l'été l'étape. Moi, je le business model, c'est la fondation. Business plan, c'est la structure, donc qui nous build up, la fondation, donc qui nous build up. Mais ces deux étapes, ces deux éléments, et tout le temps, sur l'importance, okay, ni l'un ni l'autre capable de fonctionner sans ce camarade. Donc, je vais vous dire, la dernière phrase, c'est « The business model is at the center of the business plan ». Si nous réussissons à l'étape de business model là, donc nous allons aventurer nous dans l'autre prochaine étape qui est le business plan avec un peu beaucoup plus de confiance et nous allons assurer que le produit ou le service qui nous permettait, c'est effectivement un produit qui ou bien le service qui vous marche. Alors, nous avons des slides encore là sur ça. C'est business model describe how your company creates, delivers and captures value. Et puis, si nous avons envie d'innover nos business plans, qui nous besoin de mindset, the vision, the competency, the capability, the culture and the market opportunity. Ça, c'est un élément incontournable, hein, fondamental pour dans un business model innovation. Right. Avant nous aller un petit peu plus loin, ça, c'est thème le business model et nous cause business plan. Bien sûr, nous prenons les autres sessions pour consacrer essentiellement le business plan, comment nous écrire, qui les éléments, nous pouvons qui les components que nous avons dans le business plan, nous pouvons venir avec ça dans une session, dans un proche avenir. Avant de venir l'autre thème qui me tient pour développer aujourd'hui, le source of finance, à nous guetter une vidéo, vous connaissez, il n'est pas évident, 40 minutes écoute causer, etc. Donc, il est bon qu'il nous dégoûte un petit peu, prend un petit peu l'air, tourne un petit peu dans la chambre que tu étais. Dégoûter un petit peu pour qui les là nous capables de vivre nos sources of finance. Mais sa vidéo, comme on peut dire, vous mettez là, c'est une vidéo qui m'a choisi, qui est très, très liée avec ce qu'il nous a envie de faire. Right? Alors, get attentivement sa vidéo, visionne attentivement sa vidéo là. Et puis, les là nous pouvons continuer avec notre deuxième sous-thème, c'est sources of finance. Donc, dans quelques secondes.
Okay. Alors, on pensait, j'ai eu l'occasion de visionner sa vidéo-là. Donc, il y a beaucoup de messages dans sa vidéo-là. Si mon cas prend quelques-uns, il cause beaucoup de créativité. Donc, qui est bien un élément, tout le temps, il est bien là. Il cause le belief, il y a dans l'enfance, nous believe love something, mais là, nous grandit, nous avons beaucoup de doutes. Et pourquoi qu'il dans l'enfance, nous capable de believe et nous capable de bâtir, pourquoi ça va un élément de doute-là, il vient dans nous la tête, une fois qu'il nous grandit. Donc, nous avons over comme ça. Et puis, il dit, comme dans ma vidéo précédente, it's never too late. C'est jamais trop tard pour bien faire ou démarrer. Et puis, la vidéo est terminée par un message très intéressant. Il dit comme ça, you still can if you believe. Donc, le believe, disant là. Et puis, you should jump to the action. Je vous trouvais quelque part dans sa vidéo là, la personne s'est réticente pour aller de l'avant avec l'idée. Donc, and let another person in vain prend l'idée et développe l'idée, devient the best entrepreneur. C'est ça le problème, parce que nous pouvons vivre dans un monde très, très compétitif, vous autres.
si nous nous tardons, to jump to an opportunity, bien sûr, l'un des autres personnes, pourquoi attendre nous? Je peux saisir l'opportunité là et il est capable de venir avec le produit beaucoup plus rapidement que nous. Donc, si nous avons une idée et nous believe in the idea, donc the next step, it goes to the action. Donc, commence le produit, commence le démarre l'entreprise. Parce que le plus nous tardons, et l'autre personne qui a jump to the idea et démarre l'entreprise, la nuit nous démarrer, nous trouvons le produit déjà sur le marché. Souvent, deux fois, on arrive ça. Donc, l'étape d'action, nous commençons l'entreprise, il faut délivrer rapidement une fois que nous finissons trouver l'idée de l'entreprise, nous finissons faire une feasibility study, nous finissons faire un business model et nous trouver, du moins, la nous faire un business model, c'est une idée qui est capable de l'avant. Donc, start plus rapidement, start the enterprise. De peur qu'il attention de quelqu'un qui a l'idée et développe l'entreprise avant. Donc, c'est très, très important. If you still can, you still can if you believe. À nous maintenant, vient le deuxième thème qui nous pourra aborder. Dans sa cinquième session-là. Donc, nous causons le business model, qui m'ont dit, c'est une étape importante, une fois qu'il y a une feasibility study. Nous vous causons maintenant the sources of finance. Donc, les bonnes sources de financement qui open à un entrepreneur. Bien sûr, le source of finance, on a plusieurs sources de finance qui nous aident. Mais nous pouvons limiter nous à une source de finance qui est disponible, qui est à la disposition d'un petit entrepreneur, d'un jeune entrepreneur qui peut le démarrer. Je te disais ça dans ma session précédente, que le financement est important. Nous ne sommes pas capables de commencer une entreprise sans zéro sous. Combien nous pouvons besoin de débats, bien sûr, l'envergure du projet, qui nous peut envie faire. Mais peu importe qui nous envie faire, n'importe qui l'envergure que le projet peut prendre, nous avons besoin d'une finance, nous avons besoin d'une ressource financière. Right? Nous parlons un petit coup maintenant, qui est une source de financement qui est à la disposition d'un entrepreneur. Maintenant, why finance? Alors, nous avons besoin de finance pour deux affaires, mais souvent, deux fois, nous avons un seul aspect de finance. Nous disons comme ça, qui fait nous besoin de finance parce que l'actual process of, qui est une façon qui nous capable de finance. L'autre étape qui nous oublie, qui est également importante, c'est le management of the funds. Par exemple, si on a plusieurs sources de financement qui open to the young entrepreneur, qui est capable de tap, nous pouvons avoir une source qui est personnelle, une source de l'extérieur, tout à l'heure, nous pouvons avoir un petit peu plus en détail, mais ça, c'est une étape. Gagner sa bonne source, là, tap sa bonne ressource, là, ça, c'est étape. Autre étape qui est très importante, nous sommes capables de gérer sa finance, là, qui souvent, deux fois, on oublie. Nous croyons une finance, nous gagnons loan depuis DBM, depuis une commercial bank, ou bien nous gagnons emprunt avec la famille, ou bien emprunt avec un camarade, nous trouvons qu'il y en a beaucoup d'argent devant nous, et souvent, deux fois, nous mal utilisons l'argent là. Donc, l'argent, le finance, c'est une denrée rare, limitée. Nous avons des ressources unlimited. Nous faisons ça dans vous pensez dans la formule fondée. We have unlimited wants, but we have limited resources. Donc, limited resources, qui dit limited resources? Mais il y a la gestion de la limited resources. Il faut dire qu'il y a une ressource, nous connaissons dans quel item qui nous besoin dépenser. Il ne faut pas qu'il y ait une ressource dans une grande quantité. Nous dépenser, par exemple, dans la vie personnelle, nous agrandir la case, nous acheter l'auto, etc. C'est l'argent qui n'est pas destiné à ça. Mais malheureusement, là, nous trouvons autant de finances devant nous. L'être humain est comme ça. Donc, là, il trouve beaucoup de finances. Donc, il est capable de divert some resources to unproductive activities. Ou le ressource visant entièrement à démarrer l'entreprise, dépense le produit ou bien le service qu'il a envie de mettre sur place. Alors, why finance matters? Aucun startup pas capable de survivre sans sufficient finance. Nous pisons maintenant le mot sufficient, right? How much finance is sufficient? Il dépend de la nature de l'entreprise. Peut-être une entreprise est capable d'un ticket startup capital qui est besoin, un lot qui est d'envergure un peu plus grand, donc il besoin un peu plus capital. Donc, the sufficiency of finance, il dépend de l'envergure de l'entreprise. Mais une affaire qui est fondamentale, all startup cannot survive without finance. Sufficiency, combien, ça dépend de l'entreprise.
Maintenant, il y a plusieurs sources of finance available to new businesses. Surtout avec in the modern era, vous trouvez, il y a beaucoup moins de sources de financement qui mettent sur place. Le gouvernement met avec beaucoup de sources de financement. Le secteur privé met avec beaucoup de sources de financement. Qui maintenant dire le problème de financement qui autrefois, si paraît un peu complexe, maintenant, il y a encore beaucoup plus de sources que nous capables tout autres. Si en la porte ferme, bien sûr, il y a les autres qui ouvert. At the end of the day, il faut dire que nous capables tap the resources, le finance pour être capable de commencer l'entreprise. Right? Alors, finance provided from the personal source of the entrepreneur is very important. D'ailleurs, c'est le premier source de financement qui un jeune entrepreneur, qui parle un budding entrepreneur, comme on appelle ça, un budding entrepreneur, c'est quelqu'un qui parle démarrer l'entreprise. Right? Le premier source de financement, charity begins at home, donc le business commence nos propres nos moyens personnels d'abord. Right? Nous guettons que nous, par exemple, nos personal savings, nous pouvons l'avoir là, nos parents capables de nous l'argent, nous capables de trouver avec un camarade, avec un proche, mais the personal source is very important. C'est nous capables de démarrer avec ça. Et puis, si dit marqué, nous capables de top up avec les autres sources de financement. Mais bien sûr, nous besoin commence avec ce qui nous est non. Alors, why business need finance? Trois éléments de réponse. Donc, finance is needed for business setup, for day-to-day trading, ce qu'on appelle the working capital, l'argent qui nous besoin pour tous les jours l'entreprise, for the operation of the enterprise, so the working capital, the day-to-day running of the enterprise. Et puis, bien sûr, pour nous entamer l'étape de growth, hein, agrandissement de l'entreprise. Donc, bien sûr, pour commencer l'entreprise, nous avons finance, nous avons for the day-to-day running, the working capital, une entreprise pas capable de continuer si dépend de working capital, the working capital is not sufficient, donc nous avons suffisamment de working capital. Et puis, bien sûr, ben, nous entamons l'étape de growth, agrandissement, nous avons la finance à notre disposition pour nous capables d'engager nous dans cette étape-là. Maintenant, ma question qui nous posait, the key finance issues for startup, c'est combien l'argent qui nous besoin? Est-ce que Tigit is enough? Ça, l'argent qui nous a, is it enough? Ou bien nous besoin beaucoup plus? Est-ce qu'il nous besoin d'un safety buffer? Ça veut dire qu'il nous besoin une réserve de l'argent qui nous besoin d'un des côtés, un buffer, pour qui anytime nous avons besoin l'argent en cours de route, right? Nous capables take from this safety buffer. Quand nous avons besoin l'argent là, est-ce qu'il nous besoin tout l'argent all at once? Est-ce qu'il, par exemple, si nous besoin 200 000 pour démarrer l'entreprise pour commencer un snap, est-ce qu'il nous besoin 200 000 là all at once, at one go, ou bien nous besoin really step by step, en étape, as and when needed, qu'on appelle the drip feed. Ça veut dire, et quand nous commençons, nous besoin de certaines quantités d'argent, et puis, once qu'il nous progresse, nous besoin additional money, donc là, nous capables, as and when needed. Nous avons des challenges, bien sûr. L'argent, vous êtes, il y a beaucoup de problèmes qui associés avec ça. Dans la vie personnelle, dit comme ça, mais dans la vie de l'entreprise aussi, il y a beaucoup de challenges. Comme on dit au départ, l'argent, c'est une ressource limitée, très, très limitée. Donc, nous faire face avec beaucoup de challenges. Donc, il est important qu'il nous a tout le temps, par exemple, staying afloat. Nous avons tout le temps finances suffisantes pour nous capables de garder la tête en dehors de l'eau, pour ne pas noyer. Donc, pour nous faire ça, nous avons tout le temps keep a very tight control on the business. Nous avons suivre le développement de l'entreprise à la lettre. Il right? Faut dire qu'il nous faire ça, là, nous capables de rassurer nous qui nous peut rester à flot, qui nous capable de garder la tête en dehors de l'eau. Donc, on dit au départ, the finance is needed for setup, for day-to-day trading, et puis pour growth and development of the enterprise. How much finance is required? How much is enough? Right? Pour répondre à cette question-là, il dépend l'envergure de l'entreprise. Donc, qui nous a envie de dépenser? Donc, qui produit ou bien le service? Et il y a certains secteurs qui demandent moins l'argent. Et dans un secteur qui demande un petit peu plus. Donc, how much is required? C'est relatif. Ça dépend de la nature de l'entreprise, la nature du produit ou la nature du service qu'ils ont mis sur le marché. Right? When and how long the finance is needed for? Quand et combien longtemps nous faisons ça dans l'entreprise? Là, nous pouvons venir un concept qui est très important, qui nous appelle the cash flow forecasting. Au fait, c'est un concept qui nous faut développer dans ma prochaine session. Le cash flow, ou bien ce qu'ils nous appellent la liquidité de l'entreprise, c'est un élément fondamental. Et là, il y a beaucoup d'entreprises qui souffrent
coûte l'IPNA suffisamment de cash flow. Cash flow, c'est the life, c'est the bloodstream d'une organisation. Si l'IPNA enough cash dans l'entreprise, une compagnie, une entreprise qui est profitable, pas nécessairement enough sufficient cash flow. Une entreprise qui a une déficience de cash flow, c'est une entreprise foutue. Il n'est pas pour qu'elle de l'avant. Donc, cash flow, c'est un élément fondamental hyper important dans l'entreprise. Il faut donner suffisamment de cash. What security, if any, has to be provided? Si nous n'avons pas le prendre loan, par exemple, nos personal source pas enough, nous parlons d'un loan. Donc, bien sûr, la personne qui vous donne nous loan, il a besoin d'une sécurité. Ouais? C'est très important. Par exemple, la banque Rosen Collateral Security. Il ne faut pas qu'il de nous l'argent comme ça. Il faut dire assurer qu'il a l'IPE de nous l'argent. Si aucun n'est pas capable de payer, il y a des affaires qu'il est capable de récupérer l'argent. Whether the enterprise is prepared to give some of the control. Si nous payons, par exemple, nous payons suffisamment l'argent et nous y un partenaire, ça veut dire nous payons share the ownership of the enterprise. Est-ce qu'il, en contrepartie de l'argent qu'il y a amené, est-ce qu'il nous dispose share the ownership with a tierce personne? Donc, tout ça là, important et nous a considéré. Donc, bien sûr, il dépend de combien, la première question qu'il nous posait, combien de finances qui nous require pour nous guetter. Est-ce qu'il nous besoin guetter par les autres partenaires? Est-ce qu'il nous besoin share ownership? Est-ce qu'il nous a provide sécurité, etc. Maintenant, factors qui disent the amount and the finance required. Pour qui purpose the finance is required? C'est l'investissement dans long terme asset. Par exemple, nous besoin constituer un stock. Si nos matières premières, dans le cas qu'il peut vivre actuellement, par exemple, dans COVID-19, par exemple, si nous payons un stock qui est suffisamment grand, donc bien sûr, comme tu dis ça, nous avons besoin de stock production. Donc, la constitution d'un stock est importante, surtout si nous importons nos matières premières. Si nous pouvons deal avec un perishable raw material. Si nous pouvons deal avec un perishable raw material, nous n'avons pas qu'à avoir un big stock. Mais par contre, si nos matières premières sont loin, par exemple, si nous payons un produit, là, nous avons besoin de constituer un good stock pour nous rassurer nous que there is no disruption in the production process. Si nous avons une disruption in the production process, si nous avons un stock qui n'est pas continuel, donc the production system will be disrupted. Le cost est très important. Nous recherchons une source de financement, nous avons un coût à ça. Par exemple, là, nous prenons loan, nous avons payé l'intérêt. Nous avons besoin d'un coût. Est-ce que the interest cost, d'abord le capital, and the interest that we have to pay dans sa loan-là, est-ce qu'il est soutenable? Est-ce qu'une entreprise est capable de payer ça? Ouais. Le plus à cause, la flexibilité. What payment might be required? Faut dire qu'il y a verbe an external source of finance, la flexibilité est importante. Le source de financement est targeté. Est-ce qu'il est flexible? Est-ce qu'il, par exemple, dans un mois ou deux mois, parce qu'il nous peut dire, nous peut, l'entreprise, c'est nous peut évoluer dans l'atmosphère, dans un environment qui est uncertain. Il y en a beaucoup d'uncertainty qui est associé dans l'entrepreneuriat, dans le business. Maintenant, est-ce qu'il a dû prendre loan? Par exemple, là, nous revenons avec le cas qui nous peut traverser actuellement, avec COVID-19. Si nous contractons un loan, est-ce qu'il nous prend un moratoire pour nous capables de payer ça l'intérêt ou bien la capitale? Parce qu'il nous prend un travail pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois. Par exemple, le loyer. Qui n'est pas capable de payer, pense à 2-3 mois qui traversent là. Est-ce qu'il est capable de dealer payment? Est-ce qu'il est capable de dealer the payment of the capital? Est-ce qu'il est capable de dealer the payment of the interest? Très important. Donc, là, nous pouvons négocier le source de financement. Il faut dire qu'il est capable de négocier au départ même, parce qu'il va nous dire, nous pouvons évoluer dans un uncertain environment. Il y a un problème de son. C'est bon? C'est bon? Maintenant, ownership structure. Ownership structure. Est-ce que nous pouvons trouver dans ownership structure une compagnie et dans une plus large gamme et beaucoup plus facile raise finance comparativement avec un sole trader. Sole trader, c'est une personne qui tout seul. Donc, il y a un peu plus difficile pour un sole trader. Right? Génère financement, avec trop de financement, déploie sa propre source et bien une source en dehors. Par contre, une limited company, là, les Vanman Shares, est beaucoup plus facile de générer ça. Est-ce qu'il nous parle vers un partnership? Est-ce qu'il nous parle vers une petite compagnie? Ou est-ce qu'il nous parle vers un sole trader? Donc, ça, c'est une décision qui nous besoin de prendre au préalable. Period required, est-ce qu'il nous besoin un financement à court terme, à moyen terme et à long terme?
Si nous visons un financement à long terme, par exemple, investir dans machinerie, investir dans l'agrandissement, mais ce n'est pas un financement qui nous vise à ce stade-là. Right? Mais par contre, si nous visons un financement tout de suite là pour démarrer, pour démarrer un prototype du produit, pour investir dans des affaires basiques qui nous visent à démarrer notre entreprise. Donc, ça, c'est un short term. Dans short term, nous visons une source de financement et pour short term, et pour medium term, et pour long term. Combien nous vous visons, bien sûr, comme nous dire, c'est la nature de l'entreprise. Maintenant, les types de finances qui sont disponibles à l'entrepreneur, surtout à la disposition de jeunes entrepreneurs qui parlent débuter, qui parlent budding entrepreneurs, ce qu'on veut dire, nous avons bien sûr internal sources et puis nous avons external sources. Internal sources, c'est from the founder finance, c'est-à-dire la personne qui veut démarrer l'entreprise, l'entrepreneur, c'est sa propre source. Alors, nous avons également dans sa catégorie-là, retain profits. Qui veut dire retain profits? C'est l'entrepreneur qui démarre l'entreprise, il commence le travail, il génère profit. En partie, c'est de sa profit-là, il est capable de garder. Le mot parle de lui-même, retain profits, pour être capable de servir éventuellement. Il réinveste sa partie de profitabilité-là dans l'entreprise. Donc, c'est une source de financement qui est available once qu'il nous demande l'entreprise. Maintenant, mes friends and families sont capables de join nous pour être capables de trouver une finance additionnelle. Mes external sources, c'est une source qui est en dehors. Nous avons bank loan, par exemple. Nous avons bank overdraft. Nous avons business angels. Et puis, nous avons loans and grants qui nous capables de gagner, grants du gouvernement, par exemple, qui nous capables de gagner. Et c'est ça, mes external sources. Nous allons être un peu plus en détail dans toutes ces sources-là dans mon prochain slide. Alors, encore une fois, long term, medium term, short term. Donc, nous classifions un petit peu ma source de financement par long term, medium term et short term. Right? Alors, là, nous pouvons être surtout ma source de finance qui est à la disposition de ma small businesses. La liste, ce n'est pas exhaustive. C'est ma source de financement principale. Maintenant, il y a les autres ma sources de financement qui nous sont capables de gagner. Right? Qui n'est pas dans sa slide-là. Bien sûr, nous avons les autres sources de financement à plusieurs étapes pour agrandir, à une compagnie, etc. Mais là, nous pouvons surtout une PME, surtout une petite entrepreneur, surtout une jeune entrepreneur. Donc, nous avons une source de financement qui own capital from friends, from bank, small business loan, personal loan, trade credits, nous l'avons dit tout à l'heure, private equity firms, venture capital firms, et puis crowdfunding. Nous pouvons décortiquer tout ça, source de financement là, dans nos prochaines slides qui nous passent rapidement. Alors, share capital, c'est quoi? Vous pensez, vous êtes déjà au courant de ça. Share capital is a money invested in a company by shareholders. Là, nous pouvons causer un cas de figure quand nous pouvons démarrer avec une compagnie. Donc, the source of capital, c'est share capital. Donc, une vente man action au public, c'est quoted at the stock exchange. Donc, une vente avec le public, l'argent qui nous gagne, ça représente l'argent de share capital qui nous gagne. Right? Donc, vous trouvez à droite, c'est les différents shareholders, le nombre de shares qu'ils détenant et qu'ils ont le pourcentage de shareholding. Retain profit, comme tu disais au départ, c'est l'argent qui nous garde, qui nous puise de nos profits, c'est une partie de nos profits qui nous garde dans le petit point pour qu'il nous capable réinvestir dans le business. Et ça, il est important. Il ne faut pas qu'il y ait un petit entrepreneur. Et là, c'est un conseil qui est une personne bien avisée donner. C'est-à-dire comme ça, là, nous faire profit, un business génère profit, il ne faut pas nous servir tout le profit. Right? Il ne faut pas nous servir le profit, nous gagner le profit, nous prendre, nous tirer complètement de l'entreprise. Nous sommes capables de tirer une partie, bien sûr, pour le personal use, c'est ça, parce que l'entrepreneur a besoin de vivre. Mais nous sommes capables de garder une partie de sa profit-là qui nous appelle retain profit for future investment. Là, il y a une source de financement qui est personnelle. Nous avons un profit qui nous garde dans le coin, nous avons une somme d'argent qui nous garde dans le coin. C'est un profit à côté qui nous capable de réinvestir dans l'entreprise. Et comme je trouvais, c'est un most important significant source of finance for an established profitable business. Il n'est pas pour là au départ. Si nous ne pouvons pas démarrer une entreprise, bien sûr, nous payons un profit, la question de return profit n'est pas élevée. Mais si nous démarrons l'entreprise et nous dans le cas de figure que l'entreprise peut générer l'argent, nous peut gagner un profit, donc nous gardons une partie de ce profit-là qui est capable d'être une source de financement importante. Personal sources to an entrepreneur, très rapidement. Donc, il y a various sources of funds, of finance. Il y a cash and investment.
Redundancy payment, si nous tu travailles de place et qu'il nous travaille, nous gagne un paiement. Inheritance, une inherit finance ou bien la case ou bien en le terrain de nos parents. Donc, c'est une source de financement. Personal credit cards, mortgaging, mais d'engagement. Et puis, gagner, mais également important, putting time in the business for free. Ce n'est pas peut-être en termes de l'argent, mais le temps qu'un entrepreneur met dans son entreprise, c'est de l'argent quelque part. Parce que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui, si nous faisons le travail qu'il place, nous gagnons de l'argent. Mais là, nous pouvons le run du business, il faudrait qu'il nous tire un. Ce n'est pas de la paix, c'est nous gagnons de l'argent pour nous. Donc, le temps qu'il nous dévote dans l'entreprise, c'est une autre source. Maintenant, why personal sources are important? Je te disais au départ, le premier. Premières affaires qui nous attaquent, première source qui nous attaquent, c'est la personal finance. Qui fait la vie importante? Première, parce qu'il est cheap. Parce que si nous comparons avec bank loan, par exemple, code bank loan, nous n'avons pas payé interest, nous n'avons pas payé un frais de sa loan qui nous vient. Par contre, personal source, l'argent qui nous vient, saving qui nous vient, c'est là, available, mais n'a aucun intérêt à payer. Deuxième, l'entrepreneur keeps control over the business. Right? Pour qu'il gagne contrôle de l'entreprise. Parce qu'il nous comme ça. Là, nous investir dans l'argent, nous mettre la main dans nos poches pour investir dans l'argent, nous un peu plus concernés, nous un peu plus engagés, parce qu'ils nous payent dépenses, nous propres l'argent. Peut-être l'engagement un petit peu moins si nous prenons l'argent en loan, par exemple. Mais du moment qu'ils nous investissent, nous l'argent, nous propres savings, nous avons tendance à engager un petit peu plus, investir un petit peu plus nous les temps, un peu plus cautious, là, nous investir dans l'argent. Nous avons un little red tape au delay. Tu connais, là, nous apply un loan, dans le commercial bank ou bien n'importe qui la banque, il prend un peu les temps pour lui décaisser sa loan. Là. Donc, par contre, là, nous avons nos propres sources. Donc, du jour au lendemain, dans les minutes qui suivent, nous sommes capables d'injecter l'argent dans l'entreprise. Alors, redundancy package, nous pouvons travailler en place, nous sommes capables d'avoir de l'argent, ou bien nos ex-employeurs capables de nous l'argent, ils capables de nous l'argent, ils capables de nous admettre à une disposition en access, ou bien trading. OK? Ou bien nous capables d'inherit de nos bonnes parents, grands-parents, etc. Ça, c'est une source d'argent. Mortgaging. Donc, nous capables de raise finance through mortgaging. C'est la most popular form of secured loan for startups. Souvent, deux fois, nous mettons en gage soit un bâtiment, soit un terrain, ou bien on aime un bijou, plusieurs affaires que nous capables mettre en gage pour nous capables sécuriser l'argent. Right. Credit card aussi une source de financement. En fait, c'est la most popular source of short-term finance for a small business. C'est quoi? C'est de nous crédit pour nous capables donc nous capables servir ça pour nous capables commencer une entreprise. Hein? Par exemple, si nous avons 30 days of free credit for business related expenses, nous gagnons crédit à travers nos business, nos credit cards pour nous capables dépenser. Right. Bank loans, une cause là. Nous sommes capables d'avoir un long-term loan, nous sommes capables d'avoir un short-term loan, il y a différentes périodes que nous sommes capables d'avoir un loan. Loan provided over a fixed period, nous sommes capables d'avoir un loan pour 20 ans, nous sommes capables d'avoir un loan pour 10 ans, nous sommes capables d'avoir un loan pour 2 ans. Donc, combien de temps nous sommes capables d'avoir dépend de nos repayment capacity, dans l'envergure de nos projets, important. Le timing que nous avons, est-ce qu'il peut donner un moratoire de 1 an pour repayer, nous payer nos installments? Oui, ça c'est important. Mais good for financing investment in production capacity, building équipement. C'est le loan qui nous prend, souvent de fois, nous servir pour dans mon assets, par exemple, le building, dans l'équipement. L'argent qui nous est là, from our own sources, nous capable commence démarrer l'entreprise, mais en ce qu'il s'agit de mon grand investissement, par exemple, nous permet de mécaniser nos entreprises, nous permet d'investir dans un bâtiment. Right? Donc, ça, nous capable d'avoir un recours à mon business loan. Bien sûr, qui dit loan, dit à la dépense, le cost qui est associé, c'est-à-dire nous avons payé l'intérêt de sa loan-là. Donc, nous avons pris ça aussi en considération, la capacité to pay back the loan. Bank overdraft, c'est another source of finance available, short-term finance, qui souvent, deux fois, nous servit pour un petit entrepreneur servi. C'est très flexible, right? Et c'est une excellente forme of helping businesses to handle seasonal fluctuation in cash flow. N'importe quand, au courant de notre trajet de développement de l'entreprise, si nous gagnons un cash flow, nous sommes capables facilement et en recours, avec dans très peu de temps, nous sommes capables de gagner l'argent à travers une bank overdraft. Okay?
Maintenant, l'autre source de financement qui de plus en plus devient populaire, ce qu'on appelle les business angels. Donc, c'est les personnes qui ont l'argent, ouais, sont capables de faire des business ideas, mais ils ont un financement. Alors, ils sont à la recherche de idées innovateurs pour être capables de financer. Right? What they look for the business angel? Donc, je trouve, à la recherche, je tiens dans le capital, je tiens dans l'argent, là, mais je tiens dans l'idée d'entreprise, je ne suis pas un entrepreneur, je ne suis pas les aventures comme un entrepreneur, donc je suis capable de mettre l'argent qu'ils ont dans à un entrepreneur qui peut le démarrer. Mais bien sûr, il dépend de beaucoup de facteurs. Donc, what do they look for? Je te dis, est-ce que la personne qui veut le financer a une expertise? Est-ce qu'il a un track record dans ce qu'il veut le faire? Il y a pourtant. Je ne peux pas trouver quelqu'un pour venir financer un entrepreneur qui n'a aucune compétence, qui n'a aucun track record. Donc, là, c'est lié à l'argent, lié à faire le choix, qui s'en a qui peut le financer. Il y a un competitive edge, tu peux le guetter, qui est un entrepreneur qui a un competitive edge ou unique selling point. Donc, une personne, un entrepreneur qui a un competitive edge, bien sûr, il peut avoir plus tendance à être sa bonne personne. Il peut être un coup, est-ce qu'il y a un growth potential? Est-ce qu'il y a un market share? Et, ou bien, du moins, pour le moment, est-ce qu'il y peut penser pour positionner dans une place importante sur le marché, dans l'industrie, sur le marché? Est-ce qu'il est culturally fit? Est-ce qu'il y a une chemistry, qui nous appelle, et une compatibilité entre lui et l'entrepreneur qui lui peut le financer? Souvent, on a dit ça. Parce que finalement, c'est lui, la personne qui décide, est-ce qu'il faut investir ou pas. Donc, il get tout ça, ben, élément-là. Il faut get the financial commitment of l'entrepreneur. Il faut dire, est-ce que l'entrepreneur est committed to the enterprise? Est-ce qu'il peut dire votre temps? Est-ce qu'il est vraiment sérieux dans ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il est committed? Donc, autant d'éléments de réponse qui vous besoin et non pour qu'il est capable d'investir dans l'entreprise X et non dans l'entreprise Y. Raising finance from suppliers, c'est surtout quand l'entreprise a déjà fini sa job. Suppliers, c'est une personne qui, c'est un fournisseur. Donc, et un fournisseur est capable de payer soit en cash, soit nous capable de prendre crédit. Ça veut dire, il y a une source de financement, par exemple, si nous gagnons une matière première et qu'il nous dit qu'il nous peut payer dans un mois, deux mois. Donc, nous n'avons pas besoin de décaisser l'argent. Donc, indirectement, c'est une source de financement. Parce que le supplier, il n'est pas pour besoin de l'argent là, tout de suite, il est pour besoin de dans un mois, deux mois. The longer the period of repayment, dans la dernière phrase, mais if a business has a strong relationship with supplier, donc il peut obtenir a better and longer period of repayment. Ça, il dépend avec les temps, nous développons une relation, nous développons un goodwill, nous développons une réputation et ensuite, mon supplier est capable de nous une plus longue période de crédit. Donc ça, il représente une source de financement parce qu'à la end of the day, nous pas besoin de décaisser nous l'argent et nous cash flow pour nous prendre un favorable dans sa terme. Venture capital qui, bon, c'est une source de, nous pouvons être un peu les autres sources de capital, mais un petit entrepreneur, surtout un grand entrepreneur ou bien une compagnie qui a un recours à ça. Mais il est important qu'il nous connaît sa bonne source de capital. Venture capital, surtout, lui provient un long term and committed share capital. Et ça, il est à la disposition de surtout une encoded company. Venture capital generally comes from well-off investors, investment banks or other financial institutions. C'est surtout une source de financement qui est une encoded companies qui est capable d'avoir un recours pour être capable de raise capital. Crowdfunding, il est important de connaître le terme, right? Crowdfunding, comme le mot indique nous, the funding coming from a crowd. Donc, il y a une quantité de personnes qui groupent together, qui sont capables de générer l'argent et provider as a source of fund to the entrepreneur. Donc, crowdfunding is a way to raise money from a large number of people qui pull resources together, chacun amène une partie de financement, et puis capable de servir comme une source de financement pour l'entrepreneur. Private equity firms, c'est une firme donc capable donc raise fund from institution and wealthy individuals, banna raise sa fund là pour l'entreprise et là banna capable mettre ça à la disposition de bonne petite et moyenne entreprise. Moi pas trop long là parce que nous get plus nous attendons plus l'open source of finance qui disponible qui a la portée de bonne petite et moyenne entreprise. Factoring, c'est another source of finance. C'est quoi? Au fait, factoring, nous avons une invoice, nous avons des gens qui doivent nous. Donc, au lieu de nous attendre, ça va une personne qui peut nous payer dans un mois, deux mois, trois mois.
nous vendre ça mal une fois là à être facteur. Donc, nous vendre ça, nous gagne bien sûr l'argent là tout de suite, et puis une return de facteur, et puis éventuellement, il peut claim l'argent avec sa bande debtors. Donc, factoring, c'est quoi? C'est en deux mots, c'est vendre by invoice de une personne, de une entreprise qui doit nous, right? De un consommateur ou bien une personne qui doit nous. Nous prend ça, nous vendons ça avec un facteur, comme on appelle. Nous, ça facteur, il donne nous l'argent en contrepartie qui nous donne sa invoice. Et puis, éventuellement, il peut prendre sa invoice, il peut aller vers le debtor pour être capable de récupérer l'argent. Donc, c'est également une source de financement. Dernière source de financement, vous mettez intentionnellement un dernier slide parce que souvent, deux fois, nous pensons qu'il n'est pas important, il n'est pas une source de financement. Au fait, l'entrepreneur, il put time for free to the enterprise, si nous pouvons exprimer ainsi. Et la personne qui est tout le temps là, il dévote énergie, time, tout souvent les temps, souvent deux fois, quand nous trouvons il travaille 18 heures temps dans son entreprise. Donc, souvent deux fois, nous undervalue sa source de financement. Donc, il faut être for free, mais au fait, c'est quelqu'un qui travaille avec nous, tu vas payer. Donc, c'est une source de financement qui est souvent deux fois de l'existence. The personal effort and time devoted by the entrepreneur to the enterprise. Alors, voilà un petit peu les sources des financements qui sont disponibles pour mon Jésus. Nous attendons au départ de une source de financement qui est facile, personal, et puis nous venons dans une source de financement qui est déjà là, et puis nous venons dans une source de financement qui peut-être ne va pas vous servir tout de suite, qui est à la disposition de une entreprise un peu plus grande, right? Par exemple, crowdfunding, venture capital, etc. Mais qui, me pensez, est important qui nous connaît as un entrepreneur. Voilà. Alors, c'est un peu tout ce qu'il m'en a pour dire ça. Vous pensez que je capture un petit peu bien, un petit peu, j'ai une idée un peu complète de ce qu'il essaie de faire passer à travers ces deux thèmes-là. Donc, d'abord, le business model et puis source of finance. Comme d'habitude, je suis termine ma session par une scène pour penser qu'il est très motivant, il est capable d'inciter nous pour nous consacrer plus de temps, pour nous un peu plus confiance devant dans l'entrepreneurial path qu'il a envie de prendre. Alors, il dit comme ça, to be successful, you have to have your heart in your business and your heart and your business in your heart. C'est très important. L'un ou l'autre entreprise, nous besoin d'ivoire, time, energy, nous besoin prendre à cœur parce qu'il nous peut investir nous l'argent. Nous peut envie de réaliser nos rêves. Donc, you have your heart in the business and your business in your heart. Deuxième, I have not failed. Souvent, des fois, ce n'est pas une formule magique, ça, vous êtes. La réalité est différente de ce qui nous peut, peut-être ce qui nous peut causer dans le trading. Pour nous, commencer une entreprise et nous vivre successful, pour nous aller au bout de nos rêves, c'est un avenue qui est très complexe. Hein? Ouais? Il y a beaucoup de obstacles qui nous font gagner. Nous sommes capables de fail several times. Mais comment dire l'anglais dit, even failure, is an experience. Donc, nous sommes capables de tomber plusieurs fois, mais chaque fois qu'il nous tombe, nous avons besoin de reboot. Nous sommes capables de remonter nos obstacles. Nous sommes capables, comme on peut dire, nous sommes capables de tomber 10 000 fois, mais seulement nous apprendre de nos erreurs pour nous capables de rebondir et revenir encore plus fort. Et les derniers, qui vont penser self-explanatory et dit bon, pour nous quitter nous, saying là. Chase the vision. Le vision, c'est beaucoup plus important que l'argent. The vision qui peut apporter nous l'argent. Donc, chase the vision, not the money. The money will come at the end of the vision. Will end up following you. Éventuellement, le vision permet nous l'argent. Ce n'est pas l'argent qui permet nous vers le vision. Donc, avec ça, c'est une pensée qui nous capable in our foot for fall durant le week-end. Malgré le temps grisaille, malgré le temps frais, mon pensée, je passe un bon moment, je gagne beaucoup d'éléments. D'ailleurs, c'était l'objectif, passe autant de messages à travers ces deux thèmes qui m'ont abordé là. Donc, d'abord business model et puis source of finance. Peut-être que je gagne l'occasion de retrouver dans une prochaine session. J'espérais que la session était plaisante, que je bénéficie de quelque chose. Je gagne beaucoup de renseignements sur ces thèmes-là. Donc, laisse-moi vous souhaiter un bon week-end. Et puis, est-ce qu'il va du? On se dit bon week-end et puis nous pouvons pour la prochaine session. Mon rappel, c'est mercredi prochain à 18h. Donc, soyez là. En attendant, donc passez un bon week-end et à très bientôt.
On le connaît, non? Monsieur le pasteur? Et... Oh, Oui.